It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Allo! Est-ce que vous allez bien? Wesh! Ça va ou quoi les frérots? Il est beau, toi t'es beau frère. Ça va les gars? Il faut que je me m'hydrate. La vie de ma mère, ce halo, il m'a demandé un effort. Ouais, je vous rendais pas compte. Non, fallait trop que je boive là. Ça va, vous avez passé une bonne journée? J'espère que vous avez vu ma story Insta parce que je vous ai annoncé ce qui se passait. Et là, en vrai, j'ai eu un petit imprévu de début de live là. Petit imprévu de début de live, donc on va commencer par ça. Reçu le colis de gazo. Petit colis de gazo, en fait il me l'a envoyé sur ma mère, tu as vu, il me l'a envoyé, ça fait plaisir. Les frères, on a reçu le... Alors en gros, je sais pas si vous êtes au courant, gazo a... En gros, a commercialisé un pull, mais en vrai, c'est... En vrai, j'avais pas compris, alors attendez, on va en parler avant de... Eh mais c'est un délire, en fait... Non, gazo, ça, il faut quand même... Bah après, en fait, moi je comprends d'un point de vue commercial, mais il y a un autre côté où je comprends pas trop. En gros, quand ce pull, tu le... Quand t'es dans les meilleurs auditeurs Spotify uniquement, quand t'es dans les meilleurs auditeurs Spotify, tu gagnes le droit de l'acheter. Mais en mode, moi je me suis dit, ah, mais il va être grave rare, genre ça va être 0,1% des personnes qui l'écoutent. Pas du tout! C'est genre les 30% de personnes qui l'écoutent le plus, au moins. Genre, il y a eu grave du monde. Il y a des mecs qui l'écoutent à peine, ils m'ont dit, ouais, même moi je l'ai. Genre, quand je l'ai mis dans ma story, j'ai. Moi, t'as vu, je reçois le mail, je fais oh, de la frappe et tout. Et après, je mets ça dans ma story, Habib il me dit, j'écoute jamais gazo, même moi j'ai eu le mail. Je fais, ah! Et du coup, je clique, je me dis, Belek. C'est disponible pour tout le monde, mais c'est offert à ceux qui écoutent de ouf. Parce que moi, faut savoir que je suis dans les 0,001 personnes qui... Les 0,001% des personnes qui écoutent gazo. Vraiment, genre en mode, il était top 1 de mon année 2022. Je suis dans les 0,001 des personnes qui l'écoutent. C'est une dinguerie. Genre en mode... Bah c'est quoi, c'est, je sais pas, ça représente combien de personnes, mais genre je crois que c'est dans les 1000 ou 10 000 personnes qui l'écoutent le plus. Et en gros c'est un délire. Du coup moi je me dis, ah Zama, je vais l'avoir gratuit, tout ça, bénef. En plus c'est Exy, il a des surveys de BSB qui sont pas sortis. Je me dis, ah ouais, en plus moi je vais pouvoir flex, je vais envoyer Exy, hey, regarde c'est bon, tu vas plus me faire le malin. Pas du tout, je clique sur le lien, je vois 70€, je fais ah. Du coup en vrai d'un point de vue commercial, je comprends genre qu'il ait envie de commercialiser un truc rare, qu'il le mette cher. Mais je comprends pas, genre pourquoi tu dois payer alors que t'es dans les mecs qui ont le plus écouté. Enfin bref, j'ai pas compris. Mais bon, après t'as vu, j'ai voulu faire le... J'ai fait le pigeon frère, je le trouvais grave beau. Je me dis en vrai, bénef, je vais prendre et voilà. Comme ça je vais vous le présenter, ça se trouve ça va vous donner envie de l'acheter ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas il est cher de ouf, j'ai trouvé c'était bizarre. Tu vois, c'était bizarre mais je m'en fous, on donne la Sephora à gazo, m'en bats les couilles. Il a pas besoin de moi, mais vrai à moi... C'est un de mes artistes préférés, donc on donne la Sephora. Bah les couilles, ouais, petit suceur, c'est bon. Oui, ah, le FSG. Ouh là là, le FSG. Ouh, c'est bien ce que vous faites, hein. C'est bien. Je vais changer de maillot. C'est bien. Ouais, lourd. Non, lourd, hein. Lourd le PSG, c'est bien de faire jouer des U15 dans votre équipe. Vos grands-mères, c'est une dinguerie. On perd contre Monaco. Putain, on perd contre Monaco, là. Putain, le Bayern, oh, on va se prendre 8-0 contre le Bayern ou quoi, là. PSG, déjà, tu perds contre l'OM, ensuite, tu perds contre Monaco. C'est même pas en France. Ah, si, c'est vraiment, c'est vrai. J'ai même pas, c'est où, Monaco? C'est qui? On connaît un joueur de Monaco? Bah, si. Il y a Fofana. Non, mais là, non. On pue sa mère, c'est pas possible. Moi, regardez, j'habite dans le sud, je suis là, j'habite à Montpellier. Tous les jours, je supporte le PSG dans mon cœur. Je sors dehors, je manque de me prendre des balles pour vous. Tous les jours, dans la rue, on marcelle, on me dit vive Montpellier. On me dit pas vive Montpellier, parce qu'il est bien Belek, la Ligue 2, ça arrive. Belek. Non, Montpellier, c'est grave, wesh. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue à quoi? Il joue au Quidditch. Non, mais c'est un dé... vous êtes au courant qu'ils sont, ils sont presque en Ligue 2, là, Montpellier. Bref, ensuite, on me dit, ouais, vive Montpellier, vive l'OM. Moi, je suis en mode, non, les gars, moi, je viens de Paris, dans mon cœur, tu vois. Je vais que moi, je lâcherai pas mon nez. Je vais lâcher. Et les gars, je vais lâcher. T'as commencé à supporter des clubs, ça a arrêté de regarder la Ligue 1. T'es fou, quoi, c'est quoi cette dinguerie? Bref, en plus d'avoir perdu 70€, d'avoir perdu contre Monaco, nous allons ouvrir ce pull.
pour voilà, on va se noyer dans les larmes, ça y est frère, non mais c'est une dinguerie. Moi on parlait plus du PSG. T'as vu là qu'est-ce que j'aurais aimé faire? J'aurais aimé faire quoi? J'aurais aimé ouvrir un maillot du PSG, être trop content, me le mettre sur le dos chaque jour, revendiquer, t'as vu? Putain de merde, c'est trop une dinguerie frère. Frère, le PSG en LDC s'il vous plaît, on va se faire gifler nos mères. Écoutez, le PSG, c'est voilà. Hein. En plus, moi, faut savoir que je suis un nouveau fan de foot. C'est-à-dire, avant, je regardais pas le foot, je connaissais rien, tout ça, je connais toujours pas grand-chose. Mais t'as vu, je commence un peu à connaître. Et j'ai encore le choix de m'aiguiller vers une équipe ou une autre, tu vois. Donc, Belek, ça va partir du PSG, hein, parce que non, c'est... Ok, du coup, par contre, le colis, il me paraît grave petit, wesh. Ouh, non, il est réel, il a l'air réel. MB vrai homme ceci dit. Me parler de personne. Je veux plus rien entendre, ne parler plus de football. Ça fait mal, tu vois, tu dis c'est chaud. Mais là contre Monaco c'est trop. Ok les frères. Ah moi je l'ai trouvé beau, c'est pour ça que je l'ai acheté hein, mais honnêtement quand je me suis dit tu te la donnes toute l'année, écoutez du gazo à mort, il te fait payer un Woody 70 euros, non c'est trop. Ouh il est réel, ça c'est quoi? C'est l'arrière? Ah non c'est l'avant. Ouh BSB à l'arrière. Et KMT à l'avant. Ah mais je crois que c'était KMT derrière moi. GMT à l'avant. KMT à l'avant. Ouh non il est réel ça. Super beau. Il est super beau wesh. Attends par contre j'ai pris quelle taille? Il est beau hein. C'est tarpin moche. Vas-y. C'est une dinguerie. Eh je m'en bats les couilles, je le mets. Vous êtes pas contents, c'est la même. Wesh il me va petit un peu hein. Il me va cher petit wesh. Quoi cette cap... Wesh c'est quoi cette capuche de driller là? Ouais les gars tranquille. C'est quoi cette capuche de Quidditch là? C'est quoi cette capuche de mage noir? C'est quoi cette capuche de fou là? Oh la capuche elle est descendante. Eh la capuche elle est teintée wesh. Les gars. Non ça il me va petit. Non en vrai il est beau ça. Moi je le trouve frais. Frais mais je trouve ouais le prix Belek faut arrêter. Après moi je m'en fous, c'est pour supporter un artiste qui va faire des dingueries. Voilà, je m'en bats les couilles. Bref, voilà, opening fini. Non ça il est... Ouais. Il est lourd. Non il est bien wesh, arrêtez d'abuser. Arrêtez d'abuser, moi je le trouve bien. Si c'est trop cher wesh. En fait il aurait dû choisir genre, je sais pas, prendre les 1000 mecs qui écoutent le plus ses sons sur Spotify et tous leur envoyer un pull. C'est une dinguerie, ça coûte combien? Wesh, 1000 mecs. Un pull, le coût de production, poteau. Je sais très bien comment ça coûte, hein. On te voit, hein. On te voit, gazo.